Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live Décode. Aujourd'hui avec Microsoft, donc on a Rudy et Mathilde qui sont architectes cloud, qui sont là pour vous présenter comment tirer le meilleur du cloud Azure. Bonjour à vous. Hello, bonjour à tous. Alors, ce que je... Bonjour, Bonjour. bonjour. Pour ce live, vous avez un chat qui est disponible pour pouvoir... discuter avec nous et nous poser toutes vos questions. N'hésitez pas. On aura un temps à la fin de ce live aussi pour répondre à toutes les questions et pour en savoir un peu plus. Du coup, je vous laisse avec Mathilde et Rudy qui vont vous parler du machine learning, de Azure et du cloud. Bonjour à tous. Du coup, on va se présenter rapidement. Donc, pour ma part, je m'appelle Mathilde Godefroy. Je suis chez Microsoft depuis maintenant presque 3 ans. J'ai rejoint via le Graduate Programme, donc juste après mes études, enfin mon stage de fin d'études. Et du coup, donc comme l'a dit Noé, je suis architecte cloud sur une partie, enfin sur la partie données et intelligence artificielle. Et donc rapidement, pour moi, un architecte cloud. C'est quelqu'un dont son rôle est vraiment de comprendre le besoin du client, ce qu'ils ont envie de faire et de réussir à le retranscrire techniquement en fait et de le réaliser avec eux et parfois proposer un peu plus d'innovation si on peut. Bonjour, donc moi c'est Rudy Plissonneau, je suis arrivé chez Microsoft aussi après un peu moins de 3 ans, mais après une quinzaine d'années dans l'audit et dans le conseil. On va dire un bon changement de type de rôle. Ma vision elle est un petit peu plus pragmatique que celle de Mathilde, qui est un peu plus poétique, mais pragmatique d'un archi. C'est grosso modo de designer des archis, de savoir que forcément on a des produits et on a des besoins clients. Le but, c'est de les faire coïncider. Quand ça ne coïncide pas, bah, il faut trouver et enlever les bloqueurs qu'il peut y avoir, trouver d'autres façons de faire. Et puis, on a un rôle qui est quand même très important vis-à-vis des équipes produits qui développent toutes les solutions Azure. Bah, c'est de leur faire remonter le feedback des clients, d'agir sur la roadmap pour qu'ils voient exactement bah, ce que les clients attendent au niveau des fonctionnalités à venir dans les mois qui viennent, quoi. Donc, c'est un... On est un peu un couteau suisse, en fait. Exactement ça, on est un couteau suisse entre le client et Microsoft, et un couteau suisse bien technique, parce que les problématiques des clients, elles sont souvent très techniques, mais pas que. On va dérouler donc une série de slides, n'hésitez pas à mettre au fur et à mesure vos questions. Le but n'est pas de vous faire des démos du produit, de vous convaincre que c'est le meilleur produit du marché, etc. Mais c'est plutôt de vous ouvrir sur ces plateformes, pourquoi elles arrivent sur le marché, pourquoi elles sont déjà pour une grande partie d'entre elles, qu'est-ce qu'elles apportent, qu'est-ce qu'elles changent sur le métier, c'est quoi les grandes tendances finalement, auxquelles doivent répondre ces différentes plateformes. Là, on voit trois sujets sur lesquels on considère chez Microsoft que les plateformes de data science et de machine learning répondent. Le premier sujet, c'est un sujet d'automatisation. J'ai tendance à dire que tous les projets de machine learning, pour une grande partie des entreprises, est en train de passer d'un mode artisanal à un mode industriel. De ce point de vue-là, il faut forcément adapter l'outillage de la même façon qu'un artisan qui passe à une ligne de production doit adapter son outillage. Donc, toute la partie automatisation, c'est vraiment un élément sur lequel les plateformes deviennent
doivent être entre guillemets un petit peu au top. Donc tout ce qui va être workflow de déploiement des modèles, de gestion des modèles, quand on a quelques modèles dans une entreprise, ça va pour le faire manuellement. Quand on en a des milliers, évidemment, tout doit être automatisé. Deuxième élément, toujours dans la partie automatisation, c'est le fait aussi d'utiliser des techniques qui vont éviter de réinventer la roue. Là, je pense à la partie transfer learning, par exemple. Donc, sur cet exemple-là, c'est de se dire, il y a déjà des choses qui ont pu être, qui ont nécessité des heures et des heures d'entraînement. Forcément, on va éviter de refaire et on va éviter d'avoir à réutiliser autant de ressources pour faire un résultat similaire. Il y a la partie aussi Composite AI où finalement on souhaite amener de l'automatisation dans l'utilisation des modèles et dans la prise de décision, c'est-à-dire c'est toujours le passage du mode prédictif au mode prescriptif, c'est-à-dire avoir le résultat d'un modèle et le combiner en moteur de règles, le combiner à des éléments de graphe pour qu'il y ait une prise de décision plus rapide derrière. Le dernier élément qui est à notre sens super important, c'est le fait finalement d'avoir tout un tas de recettes à dispo sur des sujets différents au sein d'une entreprise pour pouvoir finalement reproduire ces recettes-là. Là, sur un exemple qui me vient en tête, sur la partie mini models par exemple, c'est de se dire une entreprise qui a mis en place toute une gestion de forecast au niveau de ses magasins et de son catalogue produit dans un pays, mais qu'elle soit capable de les recettes qu'elle a fait dans un pays pour pouvoir les implémenter dans un autre pays de manière très similaire, mais en prenant quand même en considération les spécificités qui peuvent avoir lieu dans le pays. La deuxième tendance, c'est sur la partie collaboration. Donc forcément, plus on a d'acteurs au sein d'un même projet, plus on va avoir besoin de collaboration et les plateformes de machine learning doivent répondre à ce besoin-là. Et c'est vraiment, c'est bien de la collaboration, c'est pas juste on montre une fois au métier ce qu'on a fait au bout de 2-3 mois et puis on regarde s'il est d'accord. Non, c'est une collaboration au jour le jour. Montrer toutes les expérimentations qui sont faites, tous les essais qui ont pu être faits, valider que les besoins qui ont été émis sont bien mis en place, etc. etc. Il y a aussi tout le pendant autour de Responsible AI, donc tout ce qui est explainability des modèles, tout ce qui va être autour de ce qui est fairness, en fait, élimination des biais. Plus on est en amont sur ces sujets-là, avec les métiers et plus, entre guillemets, on donne confiance vis-à-vis des modèles qui sont déployés et plus ce sera simple, entre guillemets, pour les utilisateurs métiers de s'approprier ce qui sortira de ces workloads. Et le dernier point, étant donné qu'on est quand même sur de la donnée sensible, et sur des choses qui sont sensibles, les modèles, il faut qu'il y ait toute une gouvernance de mise en place et une sécurité sur ces éléments-là. La dernière tendance, elle est autour de l'accélération, c'est-à-dire tout doit aller vite, et en plus, il y a des nouvelles techniques qui arrivent tout le temps. Donc, les plateformes se doivent de répondre à ces besoins d'accélération. Il y a la partie MLOps sur laquelle on reviendra un peu plus en détail, qui permet, entre guillemets, de déployer de plus en plus vite. Il y a le fait d'avoir des nouvelles techniques qui arrivent sur le marché et qu'il faut intégrer rapidement et rendre utilisable assez vite. Et puis après, il y a tout le distinguo de entraînement de modèles et inférence de modèles, savoir où on les fait. Il n'y a pas un, entre guillemets, il n'y a pas une façon de faire. Il y a X façons de faire. On peut très bien envisager de faire des entraînements de modèles dans un premier temps on-prem ou sur le cloud, sur les différents clouds, sur du Kubernetes, sur du Spark. Il y a tellement, entre guillemets, de possibilités de faire les choses. Pareil pour l'inférence.
que évidemment il faut enfin c'est une accélération entre guillemets sur ces éléments-là et sur les possibilités qui sont offertes. Ben, il faut que les plateformes soient capables de répondre à ce foisonnement en termes de cibles. Ok, du coup, on va passer un peu à une overview de la plateforme. Alors, bon, bien sûr, l'objectif, c'est pas de vous présenter l'outil Azure en détail, mais forcément, on a l'habitude, à travers notre job, de le présenter et ses concepts associés, les points d'attention qui sont associés également. Donc, on s'est dit que c'était un bon fil directeur pour nous. Et comme ça, en plus, ça nous permet un peu de vous présenter notre rôle, parce que ça fait aussi partie de notre rôle vis-à-vis des clients, de présenter les services, les concepts et les enjeux associés. Du coup, c'est important de comprendre que le machine learning, c'est pas juste, entre guillemets, accessible aux data scientists, seniors, professionnels, etc., mais bien de plus en plus accessible à toutes et à tous. Donc, c'est important d'avoir ça en tête, en fait, quand on travaille dans ce domaine, qu'on soit côté IT, qu'on soit côté métier, qu'on soit côté équipe de data scientist. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le but de la plateforme, d'avoir un hub central pour que tout le monde puisse s'y retrouver et y travailler. Tu peux passer à la slide d'après, même encore après, je pense. La slide avec les quatre piliers. Donc voilà, donc ça c'est les quatre promesses de la plateforme entre guillemets qu'on va vous détailler. Encore une fois, l'objectif c'est pas de vous vendre l'outil, mais c'est vraiment, d'après nous, c'est vraiment les piliers qui sont importants aujourd'hui dans le monde de la data science. Donc on va les détailler au fur et à mesure, mais donc voilà, bien comprendre que le machine learning aujourd'hui c'est vraiment, ça doit être accessible à tous et on doit l'avoir en tête quand on travaille dans ce domaine. Être capable d'appliquer ce qu'on appelle le MLOps au cycle de vie de notre modèle, encore une fois on va le détailler après. Être capable de faire des modèles qui sont éthiques, qui sont responsables, qui sont justes. Et être capable d'avoir des modèles qu'on peut, enfin des librairies qu'on peut utiliser, qui sont accessibles à tous. Je peux passer à la slide d'après. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, donc le premier pilier c'est vraiment que le machine learning est accessible à tous, à tous les niveaux. Un premier exemple, le notebook. Sur la slide après, du coup, le notebook, donc c'est vraiment, donc par exemple, je suis développeur, j'ai envie d'avoir un environnement que je connais, donc par exemple, si vous connaissez un petit peu Jupyter Notebook, d'avoir un environnement qui soit flexible, que je puisse faire un peu ce que j'ai envie de faire, parce que je sais développer, je sais coder, donc voilà, j'ai mon environnement, j'ai différentes puissances de calcul, donc ça aussi, que ce soit flexible dans les puissances de calcul, parfois j'ai besoin de GPU, parfois pas forcément. Donc, être capable, grâce au cloud, d'utiliser de façon assez flexible la puissance de calcul, un peu quand j'ai envie. Mais par contre, si par exemple, j'ai une équipe métier finance qui souhaite utiliser le machine learning pour faire des prévisions, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle, nous, sur notre plateforme, ce qui est auto-ML, sur la slide d'après. Et en fait, donc au-delà de la fonctionnalité en tant que telle, c'est vraiment la capacité de pouvoir proposer au métier des modèles qui sont déjà pré-entraînés en fait. Donc tout le travail est pré-mâché. Le métier a juste à rentrer entre guillemets ses données, savoir s'il préfère faire de la classification ou de la prédiction, par exemple, ou de la régression, juste savoir un peu ce qu'il a envie d'avoir comme résultat, intégrer ses données. Et avoir un peu un travail pré-mâché. Et enfin, par exemple, si j'ai quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en data science, donc qui connaît un petit peu les modèles, les différentes étapes, la transformation des données, l'entraînement, le scoring, etc., je vais pouvoir lui fournir un outil, comme sur la slide d'après, du coup, où le travail sera entre guillemets pré-mâché, parce qu'en fait, toutes les actions sont, comme on peut le voir, bon, je ne sais pas si vous voyez très bien sur la slide, mais des petites boîtes
qui correspondent à chaque action qu'on peut faire en data science. Donc, la transformation des données, ajouter, enlever une colonne, séparer le jeu de données en jeu de test, jeu d'entraînement, etc. Le scoring, etc. Donc vraiment là, je vais être capable de faire un peu ce que j'ai envie à travers des boîtes sans forcément coder. Donc bien sûr, c'est un peu moins flexible que le notebook, mais ça permet du coup de s'adapter un peu à tout le monde. Donc voilà, donc vraiment garder en tête, au-delà des fonctionnalités de l'outil, garder en tête que le machine learning doit aujourd'hui être accessible à tous et tout le monde doit avoir son rôle à jouer dans cette sphère-là, pour d'autres raisons qu'on expliquera un peu plus tard. Mathilde, je me permets juste de te couper parce qu'on a une question dans le chat de la part de Fernando qui se demande de quoi vous parlez quand vous parlez d'inférence et à quoi ça rapporte directement pour ce use case là. Inférence. Alors c'est inférence de modèle en fait. C'est training plus inférence. Training, c'est j'entraîne mon modèle avec mon mode de données. Une fois que mon modèle il a été construit, okay, je dois pouvoir l'appeler. Par exemple, je vais venir l'encapsuler au sein d'un web service et je vais appeler ce web service. Donc, je vais faire en fait un appel à mon modèle. L'inférence, c'est l'appel de mon modèle. Merci beaucoup. Bah, du coup, je vous laisse continuer. Ouais, je vois juste rapidement une autre question dans le chat. Comment on a connaissance des envies des clients? En fait, ça va vraiment dépendre. Microsoft, c'est une grosse entreprise qui travaille avec beaucoup de clients depuis très longtemps et sur différents domaines, hein, pas que le cloud et pas que Azure, par exemple. Et donc, du coup, on a des relations avec les différentes personnes dans ces entreprises-là. Et donc, quand ils ont des besoins, en fait, on travaille avec eux. Et quand ils ont des besoins, ils nous contactent. Et parfois, il y a des entreprises avec lesquelles on ne travaille pas encore, qui peuvent nous contacter ou nous envoyer des messages. Donc voilà, ça dépend vraiment. Et en fait, ces besoins-là, ils ne sont pas toujours clairement exprimés. Il faut aller gratter pour comprendre exactement. Parce que des fois, ça peut être une mauvaise compréhension du fonctionnement d'un produit, d'une solution, ou ça peut être tout simplement, en fait, ils ont choisi une solution, mais ce n'est pas celle qui répond le mieux à leurs besoins. Donc, c'est notre job, en fait, de tous les jours, de discuter avec les clients, que ce soit des clients qu'on a, qui utilisent déjà du Azure ou des prospects. C'est de discuter avec eux pour comprendre leurs besoins et trouver les meilleures solutions. Et dans les besoins, il faut les faire parfois arriver. Ils sont toujours, ils sont pas toujours clairs, en fait. Je vais passer sur le deuxième pilier d'Azure Machine Learning. C'est tout ce qui est MLOps. Donc, sur la partie MLOps, je vais faire en fait un parallèle avec le DevOps. Et pourquoi je fais un parallèle avec le DevOps? C'est parce que le MLOps, ce n'est rien d'autre que du DevOps pour la data science, avec une complexité supplémentaire par rapport au DevOps, c'est la partie data. C'est-à-dire que la data, elle évolue. Donc les modèles qui sont déployés doivent aussi évoluer. Si on fait la comparaison assez simple pour le développement d'une appli, une appli web par exemple, on va avoir un ou des développeurs qui vont collaborer au sein d'un repo, au sein d'un Git. Ils vont construire, entre guillemets, ils vont développer l'appli. Elle va être ensuite testée de la manière la plus automatisée possible. En général, je ne parle pas de la recette utilisateur, je parle bien des tests unitaires et tests d'intégration. Elle va ensuite être déployée et puis ensuite, on va la monitorer. On va vérifier comment elle se comporte. Finalement, le MLOps, c'est la même chose au niveau du déploiement de modèles. C'est-à-dire que toutes ces étapes-là, on va essayer à partir de la build app train model, on va les automatiser le plus possible. Donc, l'étape d'entraînement de modèle, de validation en fonction des accuracies qui sont obtenues, de déploiement et de monitoring, en fait, on veut éliminer le plus possible d'opérations manuelles
sur ces différentes étapes. Le but, c'est donc de coupler à la fois un outil qui est un outil d'orchestration, donc ce qui est Azure Machine Learning, et un outil de DevOps. Alors, j'en cite deux de Microsoft, qui sont les GitHub Action et Azure DevOps. Ça peut être du GitLab. Enfin, voilà, il y a d'autres outils DevOps du marché aussi qui fonctionnent. Le but étant, avec le MLOps, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de se retrouver avec le minimum d'opérations manuelles à faire pour que les modèles, pour que le ou les modèles soient réentraînés avec des nouvelles données, qu'on regarde les accuracies qui sont obtenues et qu'on décide si oui ou non on redéploie le modèle sur un web service ou qui a enregistré un nouveau modèle qui va être lui utilisé en mode batch ou autre. En tout cas, le principe du MLOps, c'est d'éliminer les opérations manuelles de façon à arrêter le goulot d'étranglement qu'on voit quand on gère tout ça de manière manuelle. C'est-à-dire que les deux options qui peuvent se passer si on ne fait pas du tout de MLOps, c'est soit on ne met plus à jour le modèle et à un moment, il finit par ne plus répondre aux besoins, soit on continue à mettre on fait beaucoup d'opérations manuelles et à un moment ben, on se retrouve bloqué parce que on n'a pas suffisamment de ressources pour gérer 10, 15 use cases avec des modèles à déployer en parallèle et donc ben, on n'en prend plus de nouveaux et on ne fait que l'existant. Donc voilà pourquoi on fait du MLOps. Finalement, c'est pour rendre entre guillemets la capacité à scaler à l'organisation sur des dizaines et des dizaines de workload ML. Du coup, un troisième... Hop, je te laisse la main, ouais. Mathilde. Du coup, un troisième pilier assez important dans cette sphère, c'est tout ce qui est responsible ML, la sécurité, etc. Donc, comme dans tous les autres domaines, c'est un concept qui est très important et qui est un peu négligé dans la sphère du machine learning. Donc la première chose qui est hyper importante, c'est la compréhension. Donc la compréhension du modèle, être capable de l'interpréter. Donc déjà bien sûr pour être capable de l'améliorer le plus possible, mais aussi pour comprendre les décisions qu'il va prendre, les choix qu'il va faire. Et ainsi, du coup, d'être sûr, de pouvoir prouver que le modèle est juste, qu'il n'y a pas de biais, qu'il soit éthique, etc. Donc, c'est super important. Si je prends un exemple, l'objectif de votre modèle, ce sera d'être utilisé dans la sélection de CV. Pourquoi est-ce que ce CV a été choisi ou non? Est-ce que les éléments de décision sont bien complets? Est-ce qu'il ne choisit pas plus facilement une femme qu'un homme, un jeune plutôt qu'un senior, etc. Donc, bien sûr, il y a des librairies qui peuvent vous aider, comme par exemple Interprete ML. Et pareil, une fois que vous comprenez que votre modèle est biaisé ou injuste, il existe des techniques. Donc, on va pas rentrer dans le détail de toutes les techniques, toutes les librairies, etc. Mais si besoin, on pourra vous envoyer les liens. Mais il existe des techniques pour atténuer cette impartialité et donc des librairies comme Fairlearn, par exemple. Ensuite, autre concept important, ça va être la protection. Donc, je pense que je ne vous l'apprends pas, mais en data science, on manipule énormément de données. Donc, il s'agit de protéger les personnes dont on utilise les données et les données en question. Donc, par exemple, on va manipuler des données de santé, des données d'assurance. C'est des données de la vie personnelle et professionnelle de quelqu'un. C'est pas juste des chiffres et des lettres. Donc, c'est important d'en être conscient à chaque étape du traitement de cette donnée, que ce soit la récupération de la donnée, la transformation de la donnée, l'entraînement du modèle ou même l'utilisation, l'inférence de ce modèle. Et encore une fois, beaucoup de techniques existent, comme par exemple ajouter du bruit ou des composantes aléatoires dans la donnée pour empêcher les utilisateurs d'accéder vraiment à chaque donnée précise et individuelle. Il faut savoir aussi que ces techniques sont complexes et donc peuvent nécessiter du hardware qui est spécifique.
Et un autre exemple qui renforce, enfin, si je peux prendre un autre exemple qui renforce la nécessité de ce pilier, par exemple, c'est la possibilité de se faire hacker un modèle à tous les niveaux, d'ailleurs, tous les étapes du process. Pour donner un exemple, bon, un peu exagéré, mais si jamais on prend l'exemple des voitures autonomes, le système de la voiture, il va être capable de classifier, de détecter toutes les signalisations. Et en fait, imaginons que quelqu'un vient interférer avec ce processus et y ajouter un bruit dans l'image qui va être invisible à l'œil humain, mais qui va faire que le système, au lieu de voir, par exemple, un stop, va voir un feu rouge. Donc, c'est vraiment des exemples. Bon, là, c'est un peu exagéré, mais c'est vraiment des exemples qu'il faut prendre en compte et qu'il faut, dont il faut se protéger. Et enfin, le contrôle, superviser toute la chaîne du début à la fin de chaque action, savoir qui fait quoi à quelle étape, qui a fait quelle modification. Bien sûr, l'important, c'est pas de dire ah bah telle personne a fait capoter le modèle ou telle personne a fait ci, mais c'est vraiment, comme le disait Rudy tout à l'heure, plus on va automatiser, enfin il va falloir automatiser au maximum la chaîne, mais plus on va l'automatiser, plus ça va être compliqué, enfin ça va être oui compliqué, on va pouvoir passer à côté de quelque chose. Donc du coup, il faut vraiment intégrer chaque test, comprendre chaque action, etc. Si jamais une personne est responsable d'une telle partie de la chaîne, que cette personne est en vacances ou pas là, il faut mettre en place des tests, la documentation nécessaire pour si jamais il y a un souci, être capable d'y remédier. Donc c'est beaucoup de concepts, beaucoup de compétences à avoir, mais c'est très important d'en être conscient et d'être capable de mettre en place les différentes actions pour respecter tous ces concepts. Et c'est aussi notre rôle vis-à-vis des clients de les accompagner, de faire ce qu'ils ont envie de faire, mais de les mettre en garde contre tout ça et de leur fournir des solutions et des conseils pour là-dessus. Slide d'après, donc ça résume vraiment les trois concepts là dont on a parlé: comprendre toute la chaîne, être capable de protéger toute sa chaîne, que ce soit le modèle, les données, enfin vraiment toutes les actions, et être capable de contrôler, de monitorer ce qui se passe sur notre chaîne. Ok. On passe au dernier pilier sur la plateforme de machine learning d'Azure, qui est autour, qui est vraiment pousser la plateforme à être le plus ouvert possible et le plus interopérable possible. Par quoi le fait d'être ouvert et interopérable, ça passe déjà par un outillage qui est celui du marché. C'est-à-dire les Terbook, RStudio, etc., Zeppelin, etc. Mais ça passe également au niveau des IDE, parce que les notebooks, entre guillemets, ça a aussi ses limites. Très bien pour un data scientist, un data engineer, lui, il va vouloir son IDE, son PyCharm, son Visual Studio Code, etc. Donc là, on est dans une démarche où finalement, on prend les outillages du marché et on les porte pour qu'ils soient managés sur Azure. Entre guillemets, on peut toujours faire du local, mais on peut aussi directement utiliser des environnements qui sont disponibles sur Azure. Le deuxième point, c'est autour des librairies disponibles. Donc là, c'est, entre guillemets, j'ai tendance à dire, c'est open bar. C'est-à-dire, vous utilisez les librairies que vous avez envie d'utiliser. Il n'y a vraiment aucun problème. Je voulais juste insister sur un élément, par exemple, qui est PyTorch, parce que c'est vrai que c'est la librairie de deep learning qu'on utilise beaucoup chez Microsoft et également qu'on promeut. Récemment, on a annoncé d'ailleurs qu'on allait proposer du support entreprise. Enfin, du support de PyTorch pour une version entre guillemets enterprise de PyTorch. Le principe étant sur des entre guillemets des petits use cases, utiliser une version complètement open source, sans support, sans rien, pourquoi pas.
quand on commence à avoir des utilisations entre guillemets très lourdes et où entre guillemets ça a un impact très fort si on commence à avoir une version avec un bug, etc., et qu'on est en prod, on parlait tout à l'heure de la voiture autonome sur la partie vision, bah, si par exemple PyTorch a une de ses versions qui fait bugger avec du hardware dédié d'un industriel de l'automobile, finalement, s'il a pris une version open source sans support, sans rien, bah, il se retourne vers qui ? Bah, il se retourne pas, parce qu'il n'a pas de moyen de se retourner. Là, il y a la possibilité d'utiliser ce genre de support pour être épaulé. Je vais aller assez rapidement aussi sur la partie open source, mais Microsoft est aussi fortement contributeur sur un certain nombre de librairies. Alors, Mathilde a évoqué Fairlearn dans la partie gestion des biais, interprète ML sur l'explainability des modèles. J'ai évoqué PyTorch, Elflow également, qui est aussi un orchestrateur d'expérimentation un peu du type AML, mais en fait on parle le même langage, c'est-à-dire que Azure Machine Learning et ML finalement ils se parlent entre eux, donc parce qu'on y participe aussi. Il y a aussi Onyx. Et Onyx, je trouve que c'est très intéressant d'y passer 30 secondes. C'est un format de modèle. Et son but, c'est de rendre finalement les différentes librairies interopérables en convertissant en un format de modèle. Donc, au lieu d'un Pickle, par exemple, ce sera un format Onyx, les modèles qu'on peut avoir de différentes librairies. C'est à la fois donc un format de modèle, mais c'est aussi un runtime. Et c'est un runtime où on cherche la performance. Donc, le but, c'est aussi d'avoir cette conversion vers un modèle interopérable et un runtime dédié qui a très généralement des meilleures performances que la librairie qu'on a utilisée initialement. Et puis forcément, le fait de supporter un écosystème avec des outils type Databricks ou SaaS sur lequel on a une forte intégration. Hop. La section d'après, on voulait finalement vous partager. Alors, on va pas citer de nom de client ou quoi que ce soit, hein, c'est pas le but, surtout en live. L'idée, c'est de partager des choses qu'on a vues qui faisaient que les projets de machine learning n'aboutissaient pas, mal, prenaient beaucoup de temps. Les fois où ça marchait bien. Donc finalement, des choses plutôt à faire et qu'on préconise. Je te laisse commencer, Mathilde. Yes. Moi, c'est surtout sur le deuxième plutôt que je voulais dire quelque chose. J'ai fait mon stage dans une entreprise où on m'a demandé de détecter, de faire de la détection d'images en fait. Et donc du coup, je sortais d'école, donc j'étais toute contente avec tout ce que j'avais appris, être capable de créer un modèle du début, etc. Et en fait, j'ai appris que, j'ai évité de foncer tête baissée en me disant ok, ça, je vais faire comme ça, etc. Mais j'ai pris du recul en me disant je vais regarder un peu ce qui existe, comment ça se fait, etc. Ça sur Internet. Et franchement, c'est ce qu'on recommande et on le voit beaucoup chez les clients de foncer tête baissée, de rarement prendre du recul, etc. Il y a plein de choses qui existent déjà. Ça va super vite. Donc, même ce qu'on a vu l'année dernière, il y a de nouvelles choses vraiment tout le temps. Donc, c'est hyper important je saurais pas donner de fréquence, mais tous les mois, tous les deux mois, à vous de trouver la fréquence, mais vraiment de se renseigner sur ce qui existe. Et du coup de pas créer quelque chose from scratch alors que il y a plein de choses qui existent déjà, et du coup ça vous permet du coup de vous concentrer sur ce qui est plus compliqué, fine-tuner le modèle, trouver les bonnes données, avoir les bons retours business, faire des itérations avec les équipes métiers pour que le modèle ils le comprennent et du coup ils aient confiance.
etc. Quoi. Donc vraiment ne pas foncer tête baissée et prendre du recul et regarder un peu tout ce qui existe déjà. Je vais prendre un exemple concret, par exemple, sur la partie OCR et on top de l'OCR, la partie identification, par exemple, dans un document d'éléments intéressants. Je prends une facture ou des tickets de caisse. On pourrait se dire, bon, je me lance dedans, je connais déjà des modèles qui le font ou qui le font partiellement, je viendrai rajouter des choses. On se rend compte qu'en grattant un peu, et c'est pas que chez Azure, hein, chez les autres aussi, il y a des services qui font, entre guillemets, cette OCRisation intelligente et on leur fournit 10, 20, 30, 40 exemples, par exemple, de tickets de caisse différents. Et après, on est capable de leur demander et de leur pousser n'importe quel ticket de caisse et on est capable d'identifier la date, d'identifier le code TVA automatiquement, le montant, les items, etc. Donc, alors certes, peut-être qu'il y a 3-4 ans, les outils, entre guillemets, enfin les services standards n'étaient peut-être pas suffisamment aboutis pour répondre aux besoins qui étaient exprimés. Maintenant, sincèrement, c'est assez rare sur des choses, enfin des fonctions très standards, speech to text, text to speech, etc., de pas trouver son bonheur dans les services qui existent et on va dire à large hein, sur le web. Dans les sujets, je suis conscient du temps, donc. On va aller un peu plus rapidement sur la fin. Le premier point qu'on disait, c'est souvent, on pense qu'au modèle et on oublie la partie automatisation et déploiement. Et on arrive à faire un modèle avec les données qu'on nous a fournies. Et puis, dès qu'on commence à penser automatisation, déploiement, on se rend compte que tout est à faire. Donc, entre guillemets, certes, on a réussi à obtenir quelque chose avec un modèle, on a réussi à obtenir une accuracy. Mais dès le début, c'était potentiellement voué à l'échec le reste, entre guillemets, puisqu'il manquait des choses à mettre en place pour correctement récupérer la donnée, pour correctement pouvoir déployer, pour que ça soit correctement utilisé par les utilisateurs et bien intégré dans les applis métiers. Et ça, c'est important de l'imaginer dès le départ, de pas simplement se contenter de regarder la partie modèle et de ne voir que ça. Avoir le côté big picture, ça évite aussi des déconvenues parce que quand on passe 2 mois sur un sujet et qu'à la fin on nous dit ça passera jamais en prod parce que de toute façon les données elles peuvent pas être récupérées comme ça, c'était un jeu de données entre guillemets qui avait été fait un peu sur mesure mais rien n'est en place pour le récupérer de manière complète, je pense que ça peut décevoir pas mal de personnes. Ouais, c'est super important aussi le dernier point. Il rejoint d'ailleurs celui que tu viens de mentionner, Rudy, de pas anticiper le fait de passer à l'échelle. C'est important dès le début de mettre en place les bases et de pouvoir itérer dessus. En fait, fonctionner vraiment de façon itérative pour éviter de se retrouver sous l'eau une fois que mon modèle est prêt. Et en fait, j'ai des notebooks de partout, c'est pas documenté. Je me rappelle plus comment j'ai récupéré telle donnée, comment j'ai transformé, qu'est-ce que j'ai appliqué, etc. Donc c'est vraiment hyper important d'itérer, de commencer avec des bonnes bases. Peut-être que ça paraît trop pour juste un petit test de modèle, mais ça permet d'éviter de se retrouver sous l'eau une fois que mon modèle est prêt et qu'en fait il est pas du tout prêt à être utilisé. Et donc, en fait, il faut limite repartir de zéro et il y a plein de choses à modifier, quoi. Donc, vraiment, vraiment itérer. On va conclure sur une note quand même positive qui est plutôt les fois où ça marche bien. Donc, quand est-ce que ça marche bien ? Ça marche bien parfois quand on a plus de données et qu'on passe moins de temps sur le tuning. C'est-à-dire qu'on cherche finalement à répondre aux besoins, non pas en complexifiant, en complexifiant la partie algo, mais en essayant d'obtenir plus de données. C'est ça marche quand même dans la majorité des cas. Plus on a de données, meilleur sera en général son accuracy.
le tuning, ça a ses limites. Ouais, et surtout, je ne sais pas si on a bien insisté là-dessus, mais vraiment travailler, donc oui, l'UML doit être accessible à tout le monde, mais vraiment bien travailler avec les équipes business, parce que si vous travaillez dans votre coin, vous avez votre modèle, il fonctionne super bien, etc., super, et en fait, vous allez voir les équipes métiers, ils vous disent, bah non, en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Eux, ils connaissent vraiment les données, ils connaissent vraiment leur métier, donc c'est vraiment important, encore une fois, d'itérer et avec ensemble, comme une équipe, avec vraiment avec les équipes métiers. Ouais, c'est souvent on a tendance à travailler dans son coin pendant un mois ou autre pour se dire arriver avec quelque chose, mais dès le départ, échanger avec le business pour dire voilà ce qu'on compte tester, voilà comment on compte le tester, les inviter sur les workspaces pour qu'ils puissent voir aussi l'avancement de qu'il y ait une vraie collaboration en fait. Dès le début, ben, en fait, ils prennent beaucoup plus confiance à ce qui est développé parce qu'ils sont partie prenante dès le départ et en plus, ça force la documentation qui est à mon sens quelque chose sur lequel, sur les workloads de data science, on n'est encore pas bon. En tout cas, pas aussi bon que ce qu'on peut être sur du développement d'appli classique, où, entre guillemets, la révolution s'est déjà faite. Sur la partie machine learning, on est encore, comme je me répète, hein, on est encore un peu trop artisan et pas assez industriel, ligne de prod, quoi. Ouais, donc voilà, l'objectif. Voilà, ben, on va pouvoir répondre aux différentes questions. Merci beaucoup pour votre participation, pour cette présentation qui était très intéressante. Alors, on a un nouvel intervenant qui vient d'arriver, Yoel, qui est le CEO de Data Scientist. Est-ce que tu nous entends bien, Yoel? Oui, parfaitement, même s'il y a un peu d'écho, mais ça va. Ok. Du coup, Yoel, qui donc est, comme je le disais, le CEO et qui était très intéressé par votre participation, a voulu un petit peu intervenir. On va revenir sur les questions qui ont été assez nombreuses durant le live. Donc, on va commencer chronologiquement. Fernando, qui était très intéressé par le sujet et qui demandait sur quel type de serveur est déployé la release et surtout si c'est full Python directement ou non. Et c'est alors si par release on entend le, ben en fait c'est au choix, c'est-à-dire qu'on peut déployer son modèle sur un cluster Kubernetes, on peut déployer encapsulé dans un web service toujours, hein. On peut le déployer sur un container instance, on peut aller le déployer sur une Azure Function, sur du Edge. Après c'est entre guillemets, c'est il y a des choses standards. Et qu'on sait faire, entre guillemets, que le produit sait faire tout seul. Et puis après, il y a tout ce qu'on est capable de faire moyennant un effort de dev derrière. En full Python, la réponse est oui, c'est plutôt du Python. On avait une question aussi de Prism qui se demandait, avec toutes les données que vous maîtrisez et que vous emmagasinez, comment faites-vous pour garder le même temps de travail ou éviter de le rallonger en accumulant les données? Ben ça, après, l'idée, c'est vraiment d'être alors, capable de garder les bonnes données. Hein. L'objectif, c'est pas d'avoir plein de données qui servent pas forcément. Hein. C'est vraiment d'avoir un jeu de données qui est propre, qui est de qualité. Et après, ben, d'adapter la puissance de calcul, d'adapter les modèles, on va dire, pour justement avoir un temps de travail, un temps de calcul qui est réduit. Par rapport à... Après, il y a la notion... Vas-y, Rudy. Il y a la notion sur la donnée en tant que telle. On peut avoir énormément de données au départ et avoir beaucoup d'étapes de traitement de données pour arriver effectivement à ce jeu de clean. S'il est toujours, entre guillemets, très important en termes de volume, la parallélisation via du Spark ou autre devient nécessaire. C'est-à-dire on a tout ce qu'il faut sur le marché pour traiter de la donnée fortement volumineuse et répondre aux besoins d'avoir un temps de traitement qui ne se rallonge pas avec un autoscaling, des clusters, etc. Après, il faut voir si l'équation économique en vaut aussi la chandelle.
Du coup, moi, j'avais aussi une question. On a parlé pas mal de rendre accessible le ML, de faire en sorte que tout le monde puisse y avoir accès. On voit aussi en ce moment qu'il y a beaucoup d'applications no-code qui sont développées de plus en plus. Est-ce que vous pensez que ça va avoir tendance à augmenter ou on va quand même être toujours bloqué par le fait que les solutions no-code proposent quand même moins de possibilités que coder directement? Je pense que il faut savoir quelles compétences on a. Si jamais on est du métier, c'est vrai que le no-code va vraiment nous aider. Et comme quand on présente souvent, quand on fait cette presse d'ailleurs et qu'on montre les différentes fonctionnalités, donc soit le notebook qui est vraiment flexible, soit le designer si on ne sait pas trop coder, c'est pratique. Il faut savoir où on se place, soit en termes de compétences. Et forcément, si jamais je sais très bien coder, je sais exactement ce que je veux faire, etc., je vais me retrouver bloqué ou très fortement limité sur un designer ou un AutoML. Je pense qu'il ne faut pas se dire que une solution ou une autre va bloquer, mais vraiment, en fait, il y a de plus en plus de choses qui sont sur le marché. Et du coup, je vais pouvoir trouver la solution qui, moi, me permet d'accéder à ce que j'ai envie de faire. Et c'est là que vraiment travailler en équipe, itérer, faire les choses proprement, ensemble, documenter, etc., ça devient super important pour que chacun puisse travailler avec l'outil qu'il veut, mais qu'on arrive ensemble à quelque chose que tout le monde comprend et quelque chose que tout le monde peut utiliser, mais je pense pas que ce soit l'un ou l'autre, qu'on sera bloqué, etc. Quoi. D'accord. Peut-être que le bon terme, plutôt que no code, ce serait less code, c'est-à-dire d'avoir beaucoup plus de recettes, entre guillemets, qu'on réutilise, qu'on customise, beaucoup plus aussi de notions de pipeline, de modules, de choses, par exemple, que dans une entreprise, on met bien aux normes, bien propre et tout, et ensuite qu'on remet à disposition de la communauté de l'entreprise. Je ne sais pas, on fait un super module de NLP, ça n'a aucun intérêt que ce soit refait, redéveloppé. Donc, moi, je crois plutôt au less code. Le no-code complet, je pense que ça restera peut-être, hein, en tout cas dans le futur proche, ça restera un peu plus à la marge. Mais après, il y a des réponses en no-code. Je parlais tout à l'heure de tout ce qui est OCR, par exemple, et identification des factures. Je crois qu'il y a une question dans le chat sur ça. Il y a un service qui s'appelle, par exemple, Form Recognizer sur Azure. Peut-être qu'à date, ça ne répond pas 100% aux besoins, mais sincèrement, pour avoir vu le même cas d'usage il y a 3-4 ans où on se prenait la tête et on avait un développement énorme à faire dessus, on se retrouve à avoir un service maintenant qui est utilisable, customisable et avec ses propres données. Et donc là, on est dans du less code, vraiment. Hein, okay. On utilise un service et on n'a pas grand-chose à faire pour l'intégrer. Ouais. Alors, Yann avait donc une question qui vient à la suite de celle-là. Est-ce que le machine learning va devenir, pour tous, donc à terme et entre guillemets, une sorte de Microsoft Excel machine learning en faisant monter en compétences les utilisateurs? Est-ce que ça va devenir vraiment accessible encore plus par ce biais, comme on voit que tout le monde est un peu sur Excel, mais ne va pas forcément faire du VBA ou autre? Un peu cet outil qui va permettre de gérer tout ça. Je pense que c'est ce qu'on vient de dire. Hein. Il va y avoir différents niveaux, hein, différentes fonctionnalités dans les services. Donc c'est un peu ce qu'on vient de dire. Oui, on va pouvoir juste utiliser un modèle entre guillemets, le modifier légèrement pour l'adapter à nos données, ou alors vraiment recommencer un truc dès le début parce que ça n'existe pas encore, ou faire un juste milieu. Donc je pense que voilà, comme on a dit, il y a différentes solutions. L'idée, c'est vraiment de continuer à travailler ensemble et de, selon ses compétences, aller vers la fonctionnalité qu'on sait utiliser et qui nous permet d'arriver à nos résultats, quoi. Et Prism qui pose aussi une question un peu plus sur la stratégie et le futur de Microsoft, et après je pense qu'on va passer à la suite, qui demande: avec toutes les bonnes méthodes de calcul et d'analyse que Microsoft a sous la main, quels sont les enjeux futurs, gain de temps par rapport aussi à la concurrence et nouvelles technologies à établir pour l'interrogation? Joker. Grosse question. Ouais, ça fait beaucoup. Mais en fait, entre guillemets, le rôle de Microsoft, enfin, son,
son objectif business à Microsoft, c'est de fournir des solutions à ses clients. Donc, comme je l'expliquais au départ, on est très attentif aussi sur les produits qu'on sort et qu'on met en place au retour des clients. Donc, on répond quand même essentiellement à un besoin du marché. On fait certes de la recherche et du développement en dehors pour avoir des tendances qui sont peut-être plus petites sur le marché ou des choses peut-être parfois plus de niche, mais on répond néanmoins à des besoins de marché. Ce qui s'agit des les bonnes méthodes de calcul et d'analyse, on les met à disposition. En fait, on s'en sert pour certains de nos services, mais on va pas se servir, déjà, ça c'est sûr, on servira pas des données de nos clients. Ça, c'est vraiment totalement banni. On s'en servira pas non plus pour monter des business concurrents, ça, évidemment. Les enjeux futurs sur la partie machine learning, c'est ceux qu'on a évoqués, c'est-à-dire de rendre, de passer d'un mode artisanal à un mode industriel. Donc, c'est-à-dire de fournir des outils qui permettent réellement cette transition. Ouais, je pense que c'est vraiment ça les enjeux futurs, c'est vraiment d'être capable de, enfin en tout cas sur la data science, c'est vraiment d'être capable de passer à l'échelle en fait et d'industrialiser. Il y a encore beaucoup de projets qu'on voit qui restent au stade de POC en fait, vraiment au stade de test et qui vont pas plus loin à cause de plein de raisons qu'on a citées avant. La puissance de calcul, je pense que c'est vraiment en ce moment c'est plutôt un enjeu. Mais ouais, voilà, et je pense que la sécurité et le caractère privé de la donnée, ça aussi, je pense que ça va vraiment être un enjeu futur. Être capable de faire les différents modèles, de créer un modèle, par exemple, je disais tout à l'heure, pour sélectionner ou non un CV. Ça, c'est vraiment des problématiques futures pour pas avoir de biais et être juste. Effectivement, la question des biais, c'est une grosse question. On en parle souvent dans l'émission et il y a beaucoup de travail. Yoel, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose peut-être, nous parler un peu des certifications Azure, c'est ça ? Alors déjà, avant toute chose, je voudrais déjà donc vous féliciter parce que franchement, vous avez donc présenté Azure avec brio. C'était franchement hyper intéressant et je pense que compte tenu de la densité du webinaire, les gens n'arrivaient pas forcément à poser des questions au fur et à mesure parce qu'on n'avait pas nécessairement le temps de se concentrer de sujet à l'autre et puis c'était quand même assez dense et du coup on passait d'un sujet à l'autre et sans nécessairement pouvoir poser davantage de questions, mais il n'empêche que je suis convaincu que le public était hyper intéressé. D'ailleurs, il y a eu plus de 100 personnes qui étaient connectées au global et à des pics jusqu'à presque 80 personnes connectées en même temps. Donc franchement, bravo. La question du code ou no code, c'est quand même une question aujourd'hui qui effectivement est assez en vogue. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'au final, donc l'exemple dont vous aviez parlé, notamment le traitement automatisé de factures, je pense que c'est une bonne illustration parce qu'au final, on voit bien que c'est une problématique avec des données du moins semi-supervisées d'une certaine façon. Et d'une certaine façon, on voit quand même de plus en plus où on fait à la fois, je joue avec une interface et à la fois donc des briques de code à côté. Et au final, je pense qu'effectivement, il y aurait de plus en plus peut-être de problématiques qui pourraient être répondues avec toujours cette approche complémentaire code no code et donc franchement hyper intéressant. Moi je me permets également de rebondir parce que depuis donc maintenant quelques mois Data Scientist est maintenant learning partner Microsoft. À noter que d'ici la fin d'été on aura presque une douzaine de MCT donc Microsoft Certified Trainer en interne. Et le réel avantage, c'est que tous nos professeurs sont internalisés chez nous. Je pense que c'est ce qui a permis notamment notre succès. On est déployé aujourd'hui dans presque 30 groupes du CAC 40 et pas mal maintenant également de groupes à l'international. Ce qui est intéressant, c'est que dès la rentrée, donc on lance déjà maintenant des premières formations sur différents outils d'Azure, à la fois des technos
pure cloud, à la fois plutôt des aspects BI, on va dire tout l'environnement Azure au sens large. Et dès la rentrée, eh bien, on va pouvoir proposer un catalogue avec presque une dizaine de formations Azure, tant introductives, c'est-à-dire les 900 à la fin, DP900, AI900, PN900, ainsi de suite, et un catalogue complet, surtout niveau associate, avec un gros focus sur tous les aspects data, DP100, DP200, et ainsi de suite. Et donc, il ne faut pas hésiter. Pour ceux qui sont intéressés, il ne faut pas hésiter. On a franchement une pédagogie hyper intéressante comparée à ce qui est proposé et on va vraiment chercher à atteindre des taux de réussite aux certifications d'un niveau associate supérieur à 70-80%. Et on a notre petite recette secrète et on a hâte en tout cas d'en discuter avec vous. Est-ce qu'il y aurait autre chose sinon ? Moi, je pense que ça va. On avait juste une petite question que j'avais ratée de Fernando, qui était une question peut-être un peu plus piégeuse. Ils nous ont monté que Azure avait parlé de remettre toutes ses données, ses serveurs en France. Est-ce que c'est le cas? Et sinon, où sont les serveurs? De remettre. Il y a bien des data centers en France. Ouais, il y a des stands sur le site Microsoft et il y en a d'ailleurs de plus en plus qui arrivent. Mais il y en a un peu partout sur les différents continents, différents pays, etc. J'ai plus le nombre de data centers en tête qu'il y a, mais il y en a plus ou moins partout pour respecter beaucoup de souhaits clients autour de la souveraineté de la donnée. En France, il y a deux régions, si je ne me trompe pas. Il y a France Central et France Sud, et chacune a 3 data centers. Okay. Donc après, la seule limitation, c'est que potentiellement, certains services très nouveaux peuvent ne pas être encore dispo sur la partie France, mais c'est relativement à la marge. Normalement, tous les services sont plutôt dispo en France. Ah, très bien, Fernando va être assuré pour ça. Merci beaucoup à vous. C'était très intéressant, on a réussi à vraiment voir beaucoup de choses sur Azure, c'était très dense et ça laisse beaucoup de questions potentielles pour après. Mais on aura peut-être l'occasion d'en parler. Ouais, directement. Merci de nous avoir invités, en tout cas. C'est super. Merci c'est beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. On vous enverra à tous le lien de review. Très bien. Je vous remercie. Et à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Décode. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.